Hello les pépites, salut Facebook, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ravie de vous retrouver pour ce sixième live du défi 365 jours de pépites. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme, donc n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag live si vous êtes en live ou un petit hashtag replay si vous me regardez un petit peu plus tard, je serai ravie d'échanger avec vous. Alors, énergie du lundi. Moi, je sais pas vous, mais le lundi, j'ai toujours un peu plus de difficultés. Lundi matin, lundi maintenant, début d'après-midi, après l'énergie du week-end, où on s'est un petit peu déconnecté de son être. Hein, parce que, bon, moi, j'ai des enfants, donc c'est vrai que le week-end, c'est toujours assez intense, assez chargé. Et le lundi, je remarque que j'ai toujours une petite baisse d'énergie, mais aujourd'hui, je sais comment me remettre en énergie haute. Donc, ça se passe toujours mieux qu'avant. Je vais prendre une belle grande respiration pour, comme toujours, vous parler avec le cœur en ce début de semaine. Si vous avez le temps aussi. Prendre une bonne grande respiration, ça fait du bien. Bon, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de surconsommation, d'achat compulsif. Ces derniers jours, j'ai pas mal parlé mindset. Je vais continuer là-dedans. Je vous ai parlé de vos pensées, de votre créativité naturelle, de vos complexes, de votre féminité. Et en toile de fond de tout ça, se trouve quelque chose qui me paraît être très, très important. C'est la surconsommation et les achats compulsifs. Et au-delà de ça, c'est surtout ce qui provoque cette surconsommation et ces achats compulsifs. Donc, personnellement, moi, pendant des années, j'ai surconsommé. Pendant des années, j'ai souffert d'achats compulsifs. Ça a été très loin parce que c'était vraiment devenu une addiction. C'était vraiment, je travaille la semaine, je me frustre pendant toute ma semaine, et puis le samedi, hop, samedi shopping, on va dépenser tout son argent, on va surconsommer pendant toute l'après-midi pour se remplir et pour combler son vide intérieur. Évidemment, à ce moment-là, j'en avais pas conscience. Pour moi, la vie, c'était ça en fait. C'était je travaille la semaine et le week-end, je dépense mon argent, je m'amuse, je sors, je vais au resto et je dépense mon argent dans des fringues, puisque évidemment. J'ai toujours adoré les fringues, j'ai toujours adoré le style, mais le problème c'est que c'était vraiment un mauvais amour, on va dire ça comme ça, puisque je passais mon temps à surconsommer, à m'encombrer de vêtements que je portais pas vraiment, que je n'aimais pas vraiment, qui ne me mettaient pas vraiment en valeur. Et surtout, en toile de fond, ben, je surconsommais parce que je me sentais complètement vide et complètement à côté de mes pompes. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la surconsommation? Et les achats compulsifs, si vous en souffrez aujourd'hui ou si ça vous arrive de vous dire que vous achetez n'importe quoi et que vous encombrez votre garde-robe de vêtements que vous ne portez jamais, qui restent au fond de votre garde-robe, hein, parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est-à-dire que on achète un vêtement, on rentre chez soi, on est contente quelques heures, 24 heures, le lendemain, on remet la pièce chez soi et on se dit. Bof, c'est pas si terrible que ça. Ou on se rend compte après quelques semaines que le vêtement reste au fond de son armoire et qu'on ne le porte absolument jamais. Et on s'encombre, on s'encombre, on s'encombre. Et c'est des frustrations énormes parce que ça allège, ça alourdit plutôt notre mental et notre esprit. Et puis ça pèse aussi sur la conscience de toutes ces dépenses inutiles, de toute cette énergie dépensée pour rien. Et oui, de toute cette inutilité en fait. Et moi, je l'ai vraiment vécu à fond, puisque pendant des années, j'ai vraiment surconsommé à outrance, j'ai vraiment souffert de tous ces achats compulsifs, c'est-à-dire que je pouvais passer une après-midi entière à faire du shopping, à dépenser des centaines d'euros en 2-3 heures, à rentrer chez moi, toute contente de mes nouveaux achats, et puis à culpabiliser à mort le lendemain et les jours qui suivent, et puis à me retrouver avec plein de vêtements que je ne porte pas. Et ça a été loin dans le sens où je me souviens que je faisais des tris de garde-robe chaque année. Chaque année, je retirais des sacs poubelles entiers de vêtements que je devais ensuite m'épuiser à essayer de revendre, à essayer de donner, que je devais stocker. Je me souviens qu'au final, je devais stocker ces sacs poubelles chez mes parents, ou que je devais faire des brocantes, ou que je devais les jeter, m'en débarrasser. Enfin voilà, c'était un enfer. C'était vraiment comme des boulets que je traînais à mes pieds de plus en plus.
Et ça pesait lourd, ça pesait très lourd sur la conscience et ça participait vraiment à mon mal-être. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que je n'avais pas encore compris pourquoi je surconsommais et pourquoi j'étais sujette à ces achats compulsifs. Et c'est ce que je vois aussi chez mes clientes qui arrivent dans mon accompagnement Femmes Pépites. C'est souvent des femmes qui soit surconsomment, soit consomment de façon plus modérée, mais toujours dans des achats qui ne leur servent à rien, avec des vêtements qui provoquent cet effet bof tous les matins, des vêtements qu'elles ne portent pas, des vêtements qui restent au fond de leur garde-robe et des vêtements qui finalement drainent notre énergie et ne nous rendent pas du tout heureuses. Et quand on aime la mode, quand on aime le style, comme moi et comme la plupart de mes clientes, le problème c'est que ça peut être une arme à double tranchant. Le vêtement peut devenir son meilleur ami comme il peut devenir son pire ennemi. Parce qu'un vêtement qui reste, comme je disais, au fond de sa garde-robe, c'est un vêtement qui ne sert à rien, qui nous draine et qui nous rend mal à l'aise, qui nous culpabilise d'avoir dépensé cet argent inutilement et qui pèse lourd en plus sur notre portefeuille parce qu'on peut en arriver à se ruiner pour rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette surconsommation et ces achats compulsifs finalement? Et c'est ce que j'ai compris vraiment ces dernières années et c'est ce que je transmets maintenant avec tout mon cœur à mes clientes sans aucune forme de jugement ou de culpabilité, mais j'essaie vraiment de leur faire comprendre que derrière cette surconsommation à outrance et derrière ces achats compulsifs, il y a en fait un énorme mal-être, il y a un énorme vide intérieur, j'en ai déjà parlé. On n'apprend pas à s'aimer à l'école, on n'apprend pas à se connaître, on n'apprend pas à avoir confiance en soi, on n'apprend pas à s'estimer. Et avec le temps, les conditionnements de l'école, les conditionnements de la société, les blessures que l'on a au fond de nous et les expériences qu'on vit durant notre vie font que petit à petit, on alimente ce vide intérieur, même sans rendre compte, même sans s'en rendre compte, même de façon inconsciente. Et donc, en tant que femme, quand on surconsomme, on cherche en fait à combler ce vide intérieur. On cherche en fait à combler ce vide qu'on ressent en nous, parce qu'au fond, on ne se connaît pas vraiment, au fond, on ne s'aime pas, au fond, on se sent complexé, on se compare aux autres femmes, on vit un petit peu, je dirais, à côté de notre vie. C'est comme s'il y avait, pour ma part, la vraie Sophie, et puis c'est comme si pendant la majorité de ma vie, il y avait eu la Sophie qui vivait à côté de la vraie Sophie et qui vivait vraiment déconnectée d'elle-même. Donc c'est très important à comprendre que quand on surconsomme et quand on est sujette comme ça aux achats compulsifs, c'est comme quand on se met à manger beaucoup de sucre. Moi, ça, à ce moment-là, c'était la même chose. C'est soit le shopping, soit le sucre. C'est-à-dire que je pouvais passer mes soirées à manger un pot de glace entier, à manger une tablette de chocolat, à manger un paquet entier de biscuits. Enfin voilà, on comble en fait nos manques et notre vide intérieur à travers la douceur. C'est-à-dire le sucre, par exemple, si on aime ça, ou le shopping si on aime ça. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est parce qu'on se sent vide à l'intérieur, parce qu'on passe à côté de notre vie, parce qu'on est déconnecté de soi, parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on se sent complexé, parce qu'on ne se connaît pas vraiment, que l'on surconsomme et qu'on est sujet aux achats compulsifs. Et le savoir, en fait, avoir cette lucidité-là, c'est déjà la moitié du chemin qui est parcouru. C'est ça qui est important de comprendre, c'est le comment je vais faire pour sortir de la surconsommation et comment je vais faire pour sortir des achats compulsifs, c'est une chose et c'est bien sûr ce que mes clientes, par exemple, apprennent dans mes accompagnements. Mais le savoir, c'est la première chose à faire en fait. C'est le premier pas sur son chemin de reconnexion à soi. C'est le premier pas sur son chemin vers l'amour de soi et vers la connaissance de soi et du coup vers la connaissance et vers la confiance et l'estime de soi. C'est vraiment se rendre compte du pourquoi on surconsomme et pourquoi on est sujette aux achats compulsifs et pourquoi ça nous rend malheureuse. Parce que simplement, on est vide à l'intérieur. On n'a pas appris à s'aimer, on n'a pas appris à se respecter, on n'a pas appris à vivre notre vraie vie. C'est ce que je dis beaucoup dans mes posts ces derniers temps. C'est qu'on mérite tout en fait. C'est un droit de naissance. On mérite tout de vivre une belle vie, bien dans nos baskets, épanouie, sereine, apaisée, en se sentant rayonnante, en se sentant confiante, en se sentant féminine avec notre propre féminité parce qu'on a toute une féminité décomplexée à exprimer. Et vraiment en avoir conscience, c'est déjà le premier pas sur son chemin de reconnexion. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous surconsommez, si vous êtes sujette aux achats compulsifs, sachez que c'est normal.
Vous comblez des vides intérieurs, vous comblez des choses qui doivent être guéries. Et en avoir conscience, c'est le premier pas sur son chemin de guérison. Et je vous assure que j'étais un cas désespéré, vraiment désespéré, puisque je traînais des sacs poubelles et des sacs poubelles et des sacs poubelles de fringues comme des boulets derrière moi chaque année, tellement mes armoires débordaient de vêtements inutiles et d'achats inutiles. Et pourtant, aujourd'hui, je suis sortie de la surconsommation, je suis sortie des achats compulsifs. Et mon Dieu, ça fait un bien fou en fait d'avoir une garde-robe qui n'est pas spécialement minimaliste, parce que c'est pas le but d'avoir une garde-robe minimaliste si c'est pas ça que vous voulez. Moi, c'est pas ça que je veux spécialement. Mais c'est une garde-robe qui est alignée à moi, avec des vêtements que j'adore à 100% et des vêtements que je porte à 100%. Et ça rend heureuse. Ça nous reconnecte à nous et à notre féminité. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre que cette surconsommation, elle n'est pas là pour rien. Elle ne vient pas de nulle part. Elle est là pour vous exprimer que vous ressentez un vide à l'intérieur de vous, qu'il y a des choses à guérir. Et ça, c'est le premier pas vers votre reconnexion. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous permettra de réfléchir et peut-être de prendre conscience qu'aujourd'hui peut-être vous surconsommez ou que vous êtes sujette à ces fameux achats compulsifs. On reviendra évidemment sur ces notions et sur comment on peut en sortir. Mais sachez que première étape, c'est d'en avoir conscience et de comprendre que vous êtes en train de combler des vides à l'intérieur de vous et que c'est possible de surmonter ça et que c'est possible de dépasser ça. Et qu'en avoir conscience, c'est vraiment le premier pas vers son chemin de reconnexion et de guérison. Voilà, donc si vous pensez que ce live peut être utile à une femme autour de vous, eh bien n'hésitez pas bien sûr à le partager. Il y aura un nouveau live tous les jours. Vous pouvez aussi retrouver les replays bien sûr sur mon profil Facebook, mais aussi sur YouTube. Donc si vous pensez vraiment que ce que je vous raconte peut toucher une femme autour de vous, n'hésitez pas à partager. Et puis, si ça vous touche aussi, si vous voulez qu'on échange à ce propos-là, bien n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous retrouve de toute façon demain pour la suite de défis. Je vous souhaite une très belle après-midi. À demain, les pépites. Ciao!